papa, mama, pe bana ya mboka ya Congo. J'espère que boye malamu esika nyoso bozwami. Nzambe ekobate ya bino pe moto moko te ya kukweya na maladie oyo ya coronavirus ya lokuta ndenge tolobaka pe tokonfirmaka yango to pe lisusu na maboko ya bayinienzi oyo bazali ba race de vipere pe lisusu na maboko ya bato oyo bobengi communauté internationale bangulu ba représentant ya Gog pe Magog. Awa juste nayebisa bino ke Félix vraiment soko zolanda kaka Félix ti lelo donc yebaki peut-être soko okebi te yo motu osiportaka ye okokota peut-être na mabele avant ye mpo napesa bino na bi boyokaka ayebisaka bino na prestation serment gsrcr lor etat retour naexplika makambo yango ezali na video soko okoti na YouTube oluki Félix le grand sataniste okomona makambo yango ezali kutu avant ye abanda kutu kokota na fonction wana donc na, en bref bana ya mboka Félix bato ya Zambi bakenda te baza wana yango oyokaka na reportage oyo ya video oyo bokolanda deuxième video alobaki balobaki ke Sadek andimi bango balongwa bango babi oke tondimi tokolongwa me balongwaki te me gouvernement ya Congo alongolaki batroupe ya Congo bazonga wana ezali deja kolakisa faiblesse et puis croyant ke bato yango bazongi rien bazongi te bozolanda siko na video ya liboso sikani bango bakoma olobaki bato yango basengi bango 7 jours donc yo oye mokolo ndako mokolo lopango moto akoti na ndako na bandeko boma bandeko na yo ayebi biloko na yo abotoli parti ya ndako na wabi na okipe yango yo yebisi ebima lobi te pesanga na 7 jours et puis yo otikelie bana ya mboka bojije makambo yango bino moko. God save Congo et people thereof. À l'heure actuelle, les troupes zombiennes ont déjà amorcé les processus de retrait. Un processus qui devrait expirer depuis le jeudi dernier, selon le délai de 7 jours exigé par la SADC, Communauté de développement de pays de l'Afrique australe, pour se retirer totalement de la frontière congolaise ou des localités de Lubumba et de Kalubamba. Le gouvernement zambien sollicite encore 7 jours. L'armée zambienne a sollicité un nouveau délai de 7 jours pour évacuer ses militaires. À l'issue des échanges entre la République démocratique du Congo et la Zambie, le chef de la délégation congolaise, Gérard Mbala, a affirmé à leur retour au pays que les dispositions sont déjà prises pour la vérification de l'effectivité de ce retrait. Ils sont en train de se retirer progressivement. Nos équipes vont descendre sur le terrain pour vérifier si réellement, ils ont libéré cette localité complètement. La résolution de ces différents frontaliers a connu une réussite grâce aux moyens diplomatiques privilégiés par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Le président a eu raison d'utiliser le dialogue, d'utiliser la diplomatie pour pouvoir résoudre ce genre de problème. La RDC et la Zambie, deux pays riches en cuivre, partagent plus de 2000 km de frontières terrestres. Le 5 juillet 2020, que la SADC a résolu les conflits frontaliers qui opposaient la Zambie à la République démocratique du Congo depuis le 13 mars de cette année 2020. Selon les sources officielles, la Zambie a accepté de retirer dans 7 jours depuis le 25 juillet 2020 ses forces armées dans les sols congolais de Kalubamba, Libondo et Kibanga, dans le groupement Muliro situé à 350 km à l'est du territoire de Moba. C'est après le jugement de ce conflit frontalier rendu par la SADC en faveur de la RDC. En effet, le gouvernement congolais a commencé aussi à retirer progressivement, depuis le 25 juillet 2020 à Moba, les militaires de FRDC venus pour la mission d'aller récupérer ce village qui était occupé par ces forces zambiennes. Car selon les autorités de l'État congolais, la solution c'est ce conflit frontalier qui opposait la Zambie à la RDC a été trouvé dans la paix. À cette même occasion, les messages ont été lancés appelant les déplacés de Muliro, partout où ils se trouveraient, de regagner leur milieu à Muliro. Plusieurs couches de la société civile de Moba ont dit qu'elles sont satisfaites du jugement rendu par la SADC. Selon elles, la SADC a été juste dans ce conflit frontalier qui opposait la Zambie à la RDC. Mais d'autre part, ces couches de la société civile appellent le gouvernement congolais d'accompagner ces déplacés dans leur milieu de retour, car ils ont perdu leurs biens au cours de ce conflit frontalier entre la Zambie et la RDC. Pour la télévision Leonjo Leo, Isidore Kachulo à partir de Moba, province du Tanganyika, à l'est de la République démocratique du Congo, Afrique centrale.